Nous sommes très contents d'accueillir ici les 400 jeunes qu'on a recrutés et qui doivent travailler dans le domaine agricole communautaire. Avant même l'avènement de ces jeunes, l'arrivée des jeunes, on a pu rassembler tous les chefs de village, le comité de gestion du DAC et on a quand même sensibilisé les populations afin vraiment d'être ouverts envers ces jeunes-là. Et on les a accueillis, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ces jeunes sont répartis entre les villages. Il y a à peu près 12 villages qui ont accueilli les jeunes. Dans chaque village, il y a un nombre de jeunes qui y habitent. On a accueilli les étrangers, vraiment, on est très satisfaits. Surtout cette année, comme on vient de dire, on souhaite que ça augmente. Et les DAC pareil, que ce soit un peu partout dans le pays, vraiment, ça, c'est une chose qui est extraordinaire. Et ça, c'est une innovation. Les jeunes sont venus travailler. Mais en plus de ces activités dans le domaine agricole, ils participent à des activités de citoyenneté. On a vu par exemple dans le village religieux de Amdani, ces jeunes sont allés nettoyer l'enceinte de la mosquée. Et même le cimetière du village, vraiment, ils ont nettoyé un peu partout. Donc les populations sont très contentes par rapport à ces jeunes-là, ça il faut le reconnaître. Non seulement ils sont en train de subir une formation, mais ils intègrent également les populations et ils les appuient dans toutes les activités que celle-ci est en train de mener sur le terrain. On s'approche bien, bien. La collaboration est extraordinaire, vraiment tout le monde est content. Et là je dis aux jeunes, vraiment, la commune est là, le maire est là pour vous. En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter les autorités municipales. Je remercie le coordinateur que je connais très bien. C'est un homme de terrain, un homme qui est très intègre, très propre, très ouvert d'ailleurs. Je sens que c'est un travailleur vraiment, ce qu'il est en train de faire, il le sait. Vraiment, moi, je l'ai rencontré deux fois. Alors, en le rencontrant, lui, pour le connaître, il faut l'écouter. Un homme qui est très intègre, très propre, très ouvert d'ailleurs, et qui a pu quand même appliquer à la lettre les instructions du chef de l'État par rapport à l'emploi, à la création d'emplois et à l'employabilité des jeunes dans le domaine agricole communautaire. On salue cet acte vraiment. Depuis que le PRODAC est venu ici, vraiment on a vu que l'avancement. Les populations remercient davantage les autorités administratives, en l'occurrence le président de la République et tous les membres du gouvernement pour avoir choisi notre commune.